Radio Enrod, l'émission qui se balade et qui va à la rencontre des artistes avec ce soir les Zigan in Royces. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Alors selon votre bio, il paraît que l'histoire des Zigan est assez banale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette histoire banale et nous présenter le groupe ? Alors, chronologiquement, le nom du groupe, par exemple, qui se traduit par des Zigan dans des Rolls-Royce, est dû au fait que, avant de vouloir faire de la musique, j'étais possédé par un esprit. Par la suite, il s'avérait qu'il y avait une partie qui provenait du spirit de Geronimo, que tout le monde connaît, et une autre partie, celle d'un poète slave ou plus ou moins Zigan, quoi, venu du nord de l'Inde et nomade. Et Patrick et Caroline se sont joints à moi pour arriver à exécuter un exorcisme en bonne et due forme. Et lors de cet exorcisme, j'ai eu une vision donc, de ce peuple dont je pense que j'ai hérité d'une certaine magie noire ou blanche, selon l'intérêt. Et j'ai eu cette vision de Zigan dans une Rolls-Royce. Et des Zigan qui se baladent en Rolls, justement, c'est plutôt la classe ou c'est plutôt provoque ? C'est la grande classe rock'n'roll, c'est le fantasme d'à peu près tous ceux qui n'osent avouer leur fantasme, je pense. Ok, et comment définir votre groupe musical ? Le style est assez difficile à définir, c'est vrai, même pour nous, mais il y a plein d'influences. Justement, c'est quoi au-delà des influences spirituelles et ésotériques dont parlait Cyril, ça va du rock des années 60 ans, en passant par la new wave et la musique classique, hein, et tout ce qui en fait musicalement crée des images fortes, voilà, tout ce qui est cinématographique, hein, et ce genre de choses. Donc c'est assez vaste en fait et assez large. En anglais, c'est ça ? Oui. Pourquoi ce choix ? Eh bien, justement, quand on a été fortement déstabilisé et possédé par la hantise d'un esprit, on est confronté à ce problème de langage et de pouvoir avoir un exutoire correct et se débarrasser de cette charge émotionnelle, de ses visions, de ses rêves, de ses fantasmes sexuels ou horribles qu'on doit cacher. Et le langage fait partie du travail qui permet d'évacuer tout ça. Et l'anglais est, à l'heure actuelle, pour nous, en tout cas plus que l'occitan, une facilitation à l'exutoire. Et cette histoire de pseudo-fantôme de Jim Morrison qui vient vous insulter, il ne devient pas un peu gonflant à la force ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Alors, il faut savoir que j'ai un grand respect pour cette personne. Oui, mais bon, au bout d'un moment... Et que, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote qu'on peut lire dans plusieurs des biographies des Doors, notamment celle écrite par le batteur, qui n'était pas le plus connivant des Doors avec Jim Morrison, qui explique que sur les premiers concerts au Fillmore et autres salles de Los Angeles, il commençait à jouer sans Morrison, et il y a un gars qui dans le public venait les insulter, leur disait que ce qu'il jouait était pourri, etc., etc., pour les stimuler. Ensuite, il montait sur scène, c'était Morrison. Et donc, on a considéré que cette anecdote était valable pour nous aussi. C'est une stimulation positive, en fin de compte. Parce que, même si on se la pète avec nos histoires, on a envie aussi de rester humble, de rester à notre place, parce que c'est ce qui génère, à notre avis aussi, la qualité d'une musique, quoi. Et comment ça se passe pour le processus créatif ? Comment vous travaillez ? Qui fait quoi C'est là que ça nous échappe, en fait. C'est pas vraiment un travail. C'est là que le fantasme est proche de la réalité, puisque à notre insu, on a remarqué, et là je suis vraiment très sérieux, que les textes, ouais, des paroles... Je l'étais, mais il y a toujours une part de déconnade. Mais là, très sérieusement, on s'est aperçu après coup
que sur 6 ou 7 chansons, nos textes étaient prémonitoires par rapport à ce qui nous était arrivé. Donc dans la création des morceaux, le choix de la suite des accords ou de la façon dont on va faire sonner la basse ou qu'on va choisir un vieux clavier, un vieil orgue pour surplomber le tout, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'au départ c'est un petit peu comme de l'écriture automatique. Ouais. On ne fait pas trop de calculs parce que malgré la forte stylistique du projet, on y va à l'instinct parce que notre but premier c'est de prendre du plaisir. Et donc on laisse passer les trucs et après coup on écoute et on se dit bah ouais, ça nous va. Peu importe si mon gimmick de guitare est tout pourri, qu'un garçon de 5 ans peut le jouer, si c'est ce qu'il faut faire, eh bien c'est ce que je dois faire. Et les thèmes, pardon, vas-y. Bah, ça rejoint aussi la simplicité qu'on a à l'autodérision, c'est-à-dire c'est pas parce qu'un gimmick de guitare comme le dit Cyril est simple, hein, s'il fonctionne, ça va aussi avec l'état d'esprit des Tsigans en Rolls-Royce, quoi. C'est, oui c'est la classe, mais c'est la simplicité de l'autodérision parce que c'est juste fun en fait. Et les thèmes des compos, c'est plutôt onirique, sociétal. Pour les passionnés de musique qui écoutent cette émission, la traduction et la lecture des textes de chansons, qui est une écriture à part entière, un art littéraire à part entière, on s'aperçoit rapidement que même si on parle d'un fait, d'un événement très personnel, en fait ça rassemble tout un tas de personnes, quoi. Tout un tas de personnes peuvent se retrouver à la phrase près dans les textes d'une chanson. Donc on n'a pas trop de calcul par rapport à ça, mais après c'est vrai que quand même il y a une grosse part de spirituel, d'onirique et de fantasmagorique dans ce qu'on raconte. C'est ça, ouais. Mais toujours avec un lien avec ce qu'on a vécu, et c'est en ça qu'on a pu constater que nos textes étaient prémonitoires. Après coup, après les événements, on a relu les trucs, et on s'est dit, merde, mais en fait, je disais ce qui nous est arrivé par la suite. À l'image, sur scène par exemple, vous êtes maquillé pour incarner différents personnages. Qui sont ces personnages et que représentent-ils ou quoi? Moi je peux parler de mon personnage, en fait, qui en fait n'est pas vraiment un personnage, c'est une partie de moi. D'accord. Que je ne laisse visible aux autres que à ce moment-là, parce que c'est cette partie de moi qui aime vraiment le fait de s'exprimer sans aucune barrière et sans aucune retenue. Et après, en ce qui concerne l'inspiration, moi, de mon personnage, c'est pas forcément quelqu'un qu'on peut connaître ou un personnage historique, mais c'est peut-être en tant que femme, en tout cas, la partie de nous qui a envie de dire on est des femmes, mais on a aussi des coups de gueule, on a aussi des colères ou des trucs très pas exhibitionnistes mais très francs du collier. Et toi, ton personnage? Moi, mon personnage, en fait, c'est plutôt juste un masque pour me retrouver derrière mon élément et me lâcher. C'est juste pour je me retrouve, si tu veux, derrière ce masque. Je pourrais le changer, hein. C'est pas un problème, hein. Je suis pas parti avec une idée fixe. Mais il m'aide surtout à me retrouver derrière mon instrument, derrière avec notre musique, et pour pouvoir être totalement en osmose avec ce qu'on fait, quoi. Mais justement, ces personnages, est-ce qu'ils ont vocation à évoluer? Est-ce que vous pensez avoir d'autres styles de maquillage par la suite? Absolument, ouais. Tout à fait. Ouais. Moi justement, ce soir, j'enterre l'âge de guerre. D'accord. Parce qu'il faut savoir que le maquillage du visage que j'avais, c'était en fait un truc traditionnel des Indiens, qui était le maquillage que l'on s'applique lorsqu'on décide d'arrêter la bataille, le combat, quand
soit on déclare forfait, soit on dit bon c'est fini, on arrête de se battre. Donc c'était en relation avec cette partie, cette hantise de Geronimo que je vivais. Et aussi il y a une partie de moi qui est un peu comme un gosse qu'on amène, un petit gosse tzigane qu'on amène au catéchisme quoi. Et qui dit mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ces questions, mais pourquoi Dieu si, pourquoi Dieu là, pourquoi Jésus si, Jésus là, qui pose des petites questions intéressantes quoi. Et donc justement ce soir je vais pas le faire parce que je pense que c'est périmé par rapport à ce qu'on a vécu. Donc oui c'est évolutif, heureusement, parce qu'il y a une partie de fun, d'autodérision, oui. Pas totalement se prendre au sérieux. Quoi. Ok, donc si en résumé je dis que les Tziganes c'est un groupe qui évolue dans une liberté, une créativité permanente, vous validez ? Non, c'est non, pas vrai. Bon. C'est pas vrai parce qu'on est complètement assujetti à un esprit qui nous dépasse. On est des marionnettes en fait. D'ailleurs je pense que quand on va commencer à créer notre société secrète, puisque c'est le but du projet à la base, hein, on va commencer par vendre des milliards de disques. Et ensuite, on va monter une société secrète pour changer le monde. Et à ce moment-là, on va lancer une ligne de poupées Tziganes and Races. Ah, yes. Mais des poupées vaudou, quoi. Ah, pas mal. Ouais, voilà. Ok, pour chacun de vous trois. Là, vous avez un scoop, là. Ouais, bien sûr. On va se quitter parce que je crois que l'heure tourne et qu'il va y avoir des balances et compagnie. Yes. Vos projets, là, il y a des dates de prévues, des... Non, là on est en vacances, on finit d'enregistrer l'album à sortir bientôt. Okay. On va juste faire de prévu pour l'instant le 1er août à La Palme au Paradoxe. Très bien. Parce qu'ils sont très très gentils. Pour cet été, il n'y en aura qu'une et après on reprend en septembre. Ok, enfin, super. Voilà. Bah, les Tziganes, merci. Merci à vous. Et puis merci. Bon concert merci pour beaucoup. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.